Fabiola? Fabiola? Oui, papi? C'est pas où déplacer le journal, mais t'es là? Non, je ne déplace pas là, non? Qu'est-ce que c'est que cette chose que tu portes là? Quoi? Quoi, quoi, ça que c'est? Mais papi, son bout de pantalon a fait un corsage. Qui j'en réponds comme ça? Je ne comprends pas. Mais papi, vous posez mon question, je réponds nous. Là, prend ça, vous mettez sous la taille là. T'as les gilets lui-même. La flotte est sous lui. Prends la rue avec elle. Eh bien, papi, et pas moi qui vous dis joli ça pour le faire. C'est où plus grand, c'est où l'absurde. Et puis, si je m'en réplique. Et puis, Fabi Penon. Julie, file de ta chambre. Jeune fille, arrête de ça sous tout de suite pour moi. C'est pas où seulement dans la là. Je pensais que tu étais en train de penser à quelqu'un d'autre. Mais non, pourquoi? Mais j'ai en face de moi une très jolie fille, voyons. Merci, mon chou. Nex a tellement aimé belle femme. C'est pas la beauté qui compte pour moi chez une fille. Et c'est quoi, mon amour? Jenny! Paul! Ok, ok. C'est la fidélité qui compte pour moi chez une fille. Les autres viennent après. Fidélité. Bon, en général, tout le monde t'a aimé fidèle, mais... Ça, vous ne dites pas là. Non, je veux dire... La vie est tellement compliquée pour certaines personnes que ça... Si je bien comprendre, la vie, pour beaucoup, n'a infidélité en fille. Exactement. Oh. Je comprends. Là, comment je vais? Je vais venir, moi, bien. Oh, Jeff. Eh bien, je vais toi là voir. Yes, Jenny. Fais vite, oui? Infidélité, infidélité. Ouf. Fabiola. Fabiola, oui? Quoi? Ah, pour qui t'es-tu qu'on fait tout le bagage pour moi? Oh, oh, ça, gars là. Qu'est-ce que t'as fait de la musique, non? Oh. Ok. Je n'ai pas fait rien. Le moment venu, m'a dit comme ça que c'est pour qu'on t'ait quitté là. Oh, oh. Fabio, c'est Pipiti. Ah bon? Tiens. Après. La soupe la chandelle. Des trucs de femme, mon cher. C'est le problème, y'a un peu de monde. Où va-t-il trouver des petits néglas? Non, tout d'un coup. C'est vrai. Je peux vous aider? Oui. Salut. Salut. Je peux vous aider? Je peux voir ça? Oui, je vais prendre. Ça? D'accord. Ça coûte combien? 250 gourdes. 250 gourdes? Ok. Alors, vous sortez, Femvina? C'est juste une lotion, ok? Tenez, madame. Merci, au revoir. D'accord. Bye bye. Hey, tu viens? Oh. Romero. Juliette. Quoi? Ça va, c'est pas toi? Pourquoi elle est sous nous même? Hello, bonsoir. Patrick, comment ça va? C'est Julie. Oh, Julie, ça qui passe? Sûrement, Fabiola a encore fait une de ses conneries. Juste appelé pour blaguer. Juste pour blaguer? Julie, vous entendez? N'irez pour le bail blague. Côté Fabi. Elle dort. Betty n'est pas là? Bien sûr, tu veux lui parler? Bon, mais oui. Betty, Julie veut te parler. Que veut-elle? Mais non! Ça a le besoin. Tiens! Allô, Julie, comment tu vas?
Je vais bien. Et tes parents? Ils vont bien. Et Fabiola, comment ça marche pour elle? Comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. T'as des noms, bonne nouvelle, Nino. Les bien, qu'est-ce que ça vous encore? Ah, ma chère, ne fais pas l'enfant. Dis-moi, elle n'aurait pas un petit ami par hasard? Pour qui sont posées une question ça? Sans besoin qu'on ait. Comment, baguette droit? Eh bien, sans besoin qu'on tout ça qui a passé dans la ville. Cherchez Jonah Fell. Moi-même, Betty, cherchez Jonah Fabiola, pas question. Eh bien, va te faire voir. Allô? 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 Ouais, tu veux m'y accoucher? Mais c'est normal, tout en fou et bouché dans ce bagado. D'ailleurs, ça fait pas la faute, hein? Il n'y a pas de café, non? Papa, si tu es. Devant mon café, bagaille mal, bagaille sale. Son zange, Fabiola, tu vois comme ça? Tout de même, c'est 9 familles en café. Appelle 9 familles, là. Et puis, bon, ça va, allez. Depuis combien de temps, bagaille fin passé, ou pas chamblier, ou pas chambardonner? Damn! Blier jamais, bagaille doit chamblier, nous, ça, attendez? Mon cher, si je ne suis pas monsieur, je problème, mais je suis monsieur deux fois, je ne suis non, je vais checker, monsieur, pour malgré le bachita, je ne suis pas monsieur. Je vais monsieur, je vais venir à Calipita à 8 heures. Pas un danger. Oh, Fabiola, oui, même. Quête, n'a pas l'abri. Ok, bon bagaille. Bonsoir. Bonsoir. Fabi, tu vas bien? Comment est-ce que tu parles, Fabi? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es toujours excité. T'as un problème? Tu sais, tu es seul dans la vie. Je crois qu'il te faut un homme, un vrai. Et c'est moi. Toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es un homme? Tu te prends pour un homme? Tu veux la preuve? Ah, jamais de la vie. Y'a un sous ton cou. Alors là, tu dépasses les bonnes, hein? Ça que t'es tout finalement de mal. Oh oh. T'as besoin d'exer ou m'dabre? Eh ben ok, ma faut payer bouche, t'as dit? Eh bien, ma p'tan nous. Jenny? Jenny? Ouais. Qu'est-ce que tu as? Rien. Comment ça rien? J'ai rien, je te dis, tu ne comprends pas? J'ai rien. Laisse-moi te dire, Ronnie. Passage qui est écrit dans la Bible qui dit un mari fait pour l'occuper madame ni. Pourquoi j'aime l'île? Bah obligé marié avant ni entrer l'église avant pour prendre soin de moi. Je dois me nourrir, je dois me vêtir. Ça fait une semaine que tu m'as rien donné. Tu comprends ça? Je ne peux même pas me faire une manucure. J'en ai marre à la fin. Non, 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 non. Il y en a combien là-dedans? Je dois voir le médecin aussi. Ah, mon chéri. Ah, mon chéri. Merci, tu es super. Tu es super. Je t'aime. Oui, mon Dieu. Oh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commande? Garçon, le menu. Oh. Dis-moi, chérie, comment a été ta journée? Toute belle chef qui n'en fait pas. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton boulot? Dis-moi, raconte-moi la journée. Depuis avant, je n'ai pas de vie pour dire que je me fais rien. Je dis, je me sens bon là. Oh, tu chéris, vite fais-moi venir au bagage dans mon âme. Ah, maman, je suis. Ah, chou, vite fais-moi venir au bagage dans mon âme. Vite fais-moi venir au bagage, chérie. Mais ouais, l'âme chargée pour les bâmes, qui lèvent boum boum, qui chèque chèque boum boum, qui tout le bagage qui est besoin, chérie. Comment vous me savez? On doit la revendre. Eh, même pas de bonbons. Pas de problème. Mais pas bon, on suit, tout comme des et on crée les. Pas de problème, chérie. Yeah, ok. Ok, pas oublier, faut tout le monde acheter encore. Eh? Ok. D'accord. On est fort, pas vu, ça va aller là. Eh, monsieur, ouais. Monsieur, le vin acheter, non? Ah, bonne coloquette, celle qui est là, toi. Elle a déposé là, pas. Mais c'était. Bonsoir. Bonsoir. Tu te souviens de moi? Non. T'es toujours aussi belle. Tu veux que je te dépose? Non, non. Taxi. Monsieur, es-tu toujours? Je donne un chien.
Fais que le numéro là, ça m'a demandé. Chérie, m'sou. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Mademoiselle Fabiola. Elle n'est pas là, s'il vous plaît. C'est de qui? Dis-lui que c'est ton ami. Fabi? C'est pour toi? C'est qui? Je ne sais pas moi, on dit à mon sabagain, non. Allô? Allô? C'est Mademoiselle Fabiola? Oui, c'est qui? Un ami. Es-tu toujours aussi belle? Quoi? Mais qui êtes-vous? Tu as laissé tomber quelque chose en montant le taxi. Quelque chose. Salut là. Mon Dieu. Mon carnet. Oui, Fabiola. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, parlez-le là, mon entendez? Allô? Monsieur, à part que t'as flashé. C'est pas vrai. Besoins amis qui pour femme sourire, c'est ça sa gueule là. Et ça me rappelle là, ma mère m'a salué Marie Figo là non. Kounia so que t'as gueule là. Ah bon, tu me demandes ce que j'ai. Mais tu as du culot toi. Ça me que t'as fait là. En plus on m'a dit qui s'en fait. Ou pas qu'on a qui l'ont entré là hier ah, soir? Ah, ça? Je sais qu'il t'aimerait plus au bonheur, non? Ok. Oh, oh. Bon, moi, je dis un bagaille. Si un bagaille arrive, ça me va le faire, ça m'a dit. Qui m'a laissé ça? Nous, toujours, mettre qui vient passer dans la tête, non? Mais même, pas conjugué bagaille ça, moi-même. D'ailleurs, on n'est pas tant que ni dans le présent, ni dans le futur. Bon Dieu, si on n'est pas protégé la vie, moi. Ah, mais ok. Ça va comme ça, m'a dit ça. Ah, mais ok, fais blague avec ça. Bon, ok, ma foi encore, ok? M'kone ma pote bonnet. Ma pote bonnet. Ah, qui est-ce que ça, Jessie? Péché m'vive. Kounia, quand y'a une femme où t'es doué là, oui? Même ta souhait, c'est qu'elle est Jenny, ou t'es? Jenny? Ou beaucoup qu'on a, hein? Jenny? Qui ça? Eh bien, je vais le dire. Où est-ce que tu as dit sortir? Les maps descendent là. 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 Yeah. Je suis entré dans le restaurant. Ça qu'on aime, ouais. Qui ça? Jenny qui a bonnet sous bouche. Ah bah, il rit. Oh, ça me fait crier pour crier. Bon, sous bouche, je me dis. Oh, ça me fait crier pour crier, Jeff. Ha ha. Ou la bonnet là sous bouche? Ça fait. Malé? Ou allez, ou capon? Mets capon. Mais vous n'avez besoin de bon Simon. Il pourra faire une souris de temps en temps. On va en s'en là. À la fin, qu'elle est dans l'église, moi, je cherche lui. Ah! Fabi, comment tu vas? Comment vas-tu? Ça va bien, et pour toi? Ça va. Colotte, mon yo. Ah! Seulement même gueule. Papi sorti, mamie à la magasin, Julie. Mademoiselle Julie a décidé de faire sport. Oh, c'est vrai. En parlant, vous connaissez bien besoin? À quel sujet? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous connaissez, moi et Julie, nous sommes dans le magasin. Dernièrement, pendant nous sommes dans le magasin, tout le monde a entré, venu faire achat. Il y a un petit jeune homme qui est entré. Vous connaissez ça, mon problème, pile? Vous avez dit, Mabdou, ça, vous dites, ça, vous pensez. Bon, qu'on baraque qui a tiré ou parce que moi quoi, qu'on bande mon gars venir dans magasin. Donc c'est pas pour mes garçons hein, pour qui ça ou pas jamais passer avec eux. Pour qui ça c'est lui-même mes amis directement. Moi tiré ça trop fort. Bon, juste moi m'a passé avec tout simplement, même pas dit m'a tiré pas lui-même. Bon, si vous capable venir dire ça parce que vous sentiez un bagarre dans ou. Oui, même trouver ça impossible. Bon, c'est pas parce impossible. Que qu'on paquet monde qui va entrer dans magasin, on comprend. Mais non, chérie, c'est tout à fait naturel. Tout le monde est attiré par un autre monde. Donc, c'est la nature qui a fait le travail. Pas de mentir dans ça. Ou pas qu'à lutter contre ça.
depuis les arrivées, faut le faire. Sauf que gain pile va remonter et qu'on profite déjà des situations ça yo. Je comprends ça, Dimna. Pas un peu, parce que. Où songez pas à Johnny? Pas de gagner moi-même à Johnny. Papa m'a éclaté, t'es pour ça pour paquet de bagages. Mais le plus souvent, c'est pas mal, ne vous voulez pas. Y'a pas tellement une série de mauvaises expériences qui ont nuit à l'avenir. Pas en y'aurait même, y'a seulement pas comment pour adapter. Attends ça. Je comprends. Bon, comme toujours là, je ne toujours pas l'avant. Eh bien. Ou bagay pou la, ou bagay sandwich, bagay sa yo. Depuis les soirs, m'ta pas la fò pa di m'ta vin la. Ou t'es là, ou tout dè manje, parce que devait manger nan mon ale. M'pral bon ti jwenn dan. Mwen pou ba, oui m'konn ou ka pran. Pou ba mwen. Salut cher. Bonsoir. Hey, Jeff est là? Il dort. Merci. Mais il dort, je te dis. Hey, Jesse, yes. L'œil du mec, ma chère. Oui. Merde. Toute belle chef qui n'en fait là. Yes. Dans son bipon posé. Sous ses draps, c'est bien posé. Couillon la blé, cap calé, on fait tout. Lève-toi, mon amour. Couillon soleil, cap grand-père, classé. Dieu. Chaque fois, j'ai mal tombé sous mon saillot. Toi, fais là. Comment qu'est-ce qui t'entrait là? Je ne te comprends pas. Comment? Maïa doit venir au ménagement encore? Je n'ai plus le droit maintenant. Toutes conditions réunies pour dire que c'est. Pas le droit ça encore. C'est yo qui a fait mon l'ambiance. Je t'en prie. Chérie, écoute. Chérie, tu sais que je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi, tu sais. Dieu, j'ai envie. J'ai envie de toi. Je t'en prie, Dieu, non! Qu'est-ce qu'il y a là? Le problème, c'est que l'entrée dans la ménopause. Par contre, ça a plus dur. Papi, il même comme c'est seul, il a suivi. Mais il même pas en ménopause, non? Même. Bah, alors, on s'en casse, non? Oh, c'est vraiment nuisible. Julie, prends le téléphone. Oh. Allez, oh, sister. Prends le téléphone, non? D'accord. Allô? Oui, allô, oui, bonsoir. Puis-je parler à Fabiola, s'il vous plaît? Attendez, je vous prie. Qui lui ça? Le jeune homme qui t'a appelé la dernière fois. Voilà. Allô? Oui. Elle n'est pas là, monsieur, désolé. Bien, dans ce cas, je rappellerai. Monsieur, écoutez, n'appelez plus, je vous en prie, entendez? Allô? Fabiola. Écoutez, monsieur, je ne vous connais pas. Alors, cessez d'appeler chez moi. À une seule condition. Quoi? Je dis à une seule condition. Et laquelle, je vous prie? Que tu viennes chez moi, Fabiola. Quoi? Mais vous êtes fou! Puisque je ne peux pas venir dans ce cas, c'est en train de le faire. Et pourquoi? J'ai juste envie de te revoir, Fabiola, c'est tout. Non, non, je ne peux pas. Eh bien, dans ce cas, tu auras toujours l'occasion d'entendre ma voix. Ok, attends, je te donne l'adresse. Ah bon? Wickerstrom, numéro 36. Ça va? À quel soir tu parles? Il ne faut pas la parler fort. Moi-même? Oh! Papi, ça fait Patrick ou la palais. Patrick, Patrick. Qui fait là? Il y a un problème, Fabiola. Tu n'as pas mentir? Oui, ok, bye bye. Pas de téléphone, allez, Patrick. Allô? Allô? Où est-ce qu'on a fait mon rapproché? Eh, mais papi, il est pas tout pour nous. Seulement! Seulement! Bonsoir. Ça va? Mm-hmm. Viens donc. Tu peux entrer. Viens donc. Tu peux entrer. Viens. Allons-y. Pourquoi tu ne vas pas entrer? Non. Non, non, je ne veux pas. Pourquoi? Mais... Écoutez, monsieur... Mon père est un homme strict. Et c'est quoi, c'est une vraie femme, s'il vous plaît. Wow. Parlez-les là quand même encore.
Je sais, Fabiola. Et comment? Fais-moi confiance. Non, je ne veux pas. Et pourquoi? Je dois être à l'heure chez moi, sinon... Je sais tout, Fabiola. Je sais. Comment ça, tu sais? Tes yeux, Fabiola. Tes yeux, ils disent tout. Mes yeux? Fabiola, viens maintenant. Je comprends, Fabiola. Tu peux être cool. T'en fais pas. Parce que c'est comme ça, ok? Vas-y, tu peux t'asseoir. C'est que... Fabiola, allons. Ça va? Ça va. Votre nom, c'est? Jeff. Ah, c'est ma soeur Jessie. Tu te souviens d'elle, j'espère? Jessie, c'est Fabiola. Ah oui? Comment es-tu? Ça va. Ça va? Ah, tu veux boire quelque chose? Ça va, non merci. Eh bien d'accord, disons à tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure, Jeff. Ok, sister. Vous faites quoi dans la vie? Étudiant en sciences comptables. C'est bien. Mm-hmm. Tu as combien de sœurs? Une seule. Ok. T'as pas de frère? Non. Tu disais tout à l'heure que ton père est un homme très strict, alors tu veux bien me parler de lui, non? Non, non, je préfère de ne pas en parler. Et de quoi voudrais-tu qu'on en parle? Comme par exemple, rentrer chez moi. Mais tu n'as que 5 minutes, Fabiola. Oui, je dois. T'as pas semaine. En forme, même. Ça fait quoi ça? Négla. Jeff, je dois entrer. Ah, Jeff, mon cher. Tu pourrais me présenter à ta petite amie, non? Je suis Richie. Et vous? Fabiola Grant. Je suis très heureux. Moi aussi. Jeff. Ouais. Fun way plus tard, man. Mais, ma vie, ouais. Ok, Jeff, au revoir, Fabiola. Au revoir, je dois entrer. Mais, tu veux vraiment partir maintenant? Oui, je ne peux pas rester. Attends, tu es à quelle école? Chez la sœur Myriam. Ok. Ok, bye bye. Tu veux prendre le taxi? Mm-hmm. Je peux te conduire? D'accord. Alors, dis-moi, comment il est? Il est attirant. Il est très beau. Mm-hmm. Alors, quels sont tes sentiments? Ce que je ressens pour lui. Il m'attire, ça je peux te le dire, il m'attire. Mais Cassandre, est-ce que moi, je suis capable de gagner un monde pour mener la caille? Est-ce que papa m'a même avec papa? Bah quoi ça? Eh bien Fabiola, écoute ton cœur, c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que naturellement, ou pas carité avec sentiment, comme ça. Pas aventure aujourd'hui, hein, ou à faire un jour quand même. Maman, regarde ma tête. Qu'est-ce qu'on va dire à papa? Calme-toi, ma chérie. Papa, on a un problème dans les cheveux. Docteur a dit que c'est coupé pour me couper les cheveux. Mais mamie, on va t'en faire t-il? C'est vrai, m'a t'en faire t-il, c'est vrai. Mais papa tellement aimé parler en pile. Bonsoir, tonton Gérard. Ça va bien. Tu vas bien, tonton? Comment va Patrick? Il va bien. Madame n'est pas là? Pourquoi est-ce là? Lucie! Julie! Mais lui, il est noué. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais tout arranger et laisse-moi faire. En allez, non? Comment vas-tu, Betty? Qu'est-ce que c'est que cette façon? Viens saluer Betty, gentiment. Ça peste. Comment va Fabiola? Sans besoin. Julie. Papi, c'est qu'on n'a pas connu Jean-Fils à peste. Julie, respecte-toi et va de ta chambre. D'habitude, elle n'est pas comme ça. Peut-être qu'on fait l'on bagaille. Mais au contraire... C'est lui-même qui fait le téléphone dans son mois avant hier. C'est normal, puisqu'on t'a fouillé. À toi? Ouais. C'est bien moi. Et au connu bagaille, m'a remis moun ka foué bouche en affaire moun. Ka fè zin, surtout. Eh, Fabiola. Qu'est-ce que ça veut dire au moins? Mais papa, laisse-moi parler au moins. C'est mon droit, non? Ton droit? Ici, c'est ma maison. Et jusqu'à cette minute, tu es sous mon toit.
Comprends-toi bien. Sinon... Sinon quoi, Gérard? Sinon, dégage. Ah bon. Je comprends maintenant. Tu as compris quoi? Réponds. Maman, comme c'est toi qui m'as mise au monde, saurais-tu te tromper? Je veux dire, suis-je vraiment la fille de mon père? Ne dis pas ça, Fabi. Tu es la fille de Gérard. Tu es notre fille. Oh non. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Arrête tes idioties. Tu sais très bien que c'est ta faute si quelque chose s'est cassé entre nous. Tu sais aussi que tu es notre fille. Et que si tu n'avais pas commis cette bêtise, on aurait pu rester une famille unie. Mais tu l'as dit toi-même, papa. Ici, c'est ma maison. Tu es sous mon toit. Comporte-toi bien, sinon dégage. Crois-tu qu'un vrai père dirait pareille chose à sa fille? Mais tu l'as fait toi-même, ma fille. Qui t'a mis à la porte? Qui t'avait mis à la porte? Ta mère? Moi? Non, personne. Seulement tu voulais ta liberté ou du moins faire ta propre petite expérience en passant 2 jours et 2 nuits seul avec un gamin, un bon à rien, qui ne pensait qu'à une seule chose. Oui, une seule chose. Alors qu'à l'époque, notre fille n'avait que 15 ans. 15 ans seulement dans les bras d'un petit voyou. Et ta mère et moi, tu avais pensé à nous, non? On a eu 2 jours de cauchemar, c'est normal, puisque personne ne savait où tu étais. Bonsoir, je vais venir dans ma gaille ça encore. Bah, il y a déjà passé déjà. Du passé? Mais Lucie, ne sais-tu pas ce que c'est qu'une cicatrice? Un cauchemar? Oui, son cauchemar. Lucie passait 2 jours après relais, croyant que sa fille était morte ou kidnappée. Alors que bien au contraire, elle était là, en train de se donner un petit voyou. Mais papa, me dit en douce ça déjà, pas gagné que t'es passé entre nous, pas de gagné. Ah ah, d'après toi, qui va avaler ça? Sauf un bébé. Écoute-moi bien très cher, où qu'on nous bagaille, m'a bien léger, même j'ai avou. Ou à côté m'le fini, moi j'ai contrôle tête moi-même. Si m'dou pas gagné que t'es passé entre Johnny avem, c'est que pas gagné que t'es passé. Mais après? Là, ce serait mon affaire. Quoi? Ton affaire? Ça... Hey! Oh, Gérard! Et puis saute devant moi. On a les petites. Tonton Gérard, gala plutôt malé, qui t'es malé. Ok, bye bye. Ok. À la toi, papa. Ok Jeff, nous finissons parler ou mais nous avons des bagages pour nous-mêmes. Tout va se comprendre. Ok Jeff. Ok, j'ai tout. Ok. Ok. Yes. Yes. Allô? Oui, allô, bonsoir. Puis-je parler à mademoiselle Fabiola? Attendez. Fabi, c'est pour toi. Ah, ça peut être Cassandre. C'est plutôt un jeune homme. Un jeune homme pour moi? Il s'est peut-être trompé de numéro. Prends le téléphone, jeune fille. Pas perdu de temps dans le téléphone, non? Parce qu'on qui est-ce qui va pour. Allô? Allô, Fabiola? Oui. C'est moi, Jeff. Jeff? M'quoi m'dou parler la caille encore? Bon, si c'est papa qui te prend le téléphone là, c'est maman qui saute mon téléphone là. Vraiment? Je suis désolé. Mais qui l'a encore? Écoute, Jeff, n'appelle plus chez moi. Et on ne doit plus se voir, ok? Mais franchement, Fabiola, pour qui ça? Jeff, dernière fois m'devine à Kawa, m'te dit que papa m'son moun qui dur. C'est pour ça m'devine à Kawa. S'il te plaît, parle la caille encore. Parce que je commence à être trop ennuyé, ok? Pardonne-moi. Bon, m'allez. Je voulais pas t'ennuyer, ok, Fabiola? Ok, bon, m'allez. Fabiola, je t'aime, tu sais. Tu m'aimes? Au revoir, Jeff. Il m'aime. Allô? Allô? Richie, comment vas-tu? Oh, Jenny, comment vas-tu? Ça va, mais Richie, à pas pratiquer marronnage net. Ah, ma chère, c'est pas vrai.
Alors qu'on n'est pas gagné temps. Ouais, qui m'y a couru là même. Puis God dit mon gars pour le match Jeff encore non. Petite, comme si on te connaît. Tête moins chaud là. Tête tout chaud. Pour qui ça là même Jenny. Jeff gon l'autre fille. Bon, quand je n'ai pas eu ce abdi là. Ah, m'connais. Est-ce que c'est vrai Richie? Bon, quoi dit mon connais. M'pas quoi m'gagne pour m'dire. Bon, normalement m'suspecte. Même pas qu'on gagne preuve. On sait le bas m'a dit. Cherchez qu'on est. Richie, aide-moi. Ou pas perdu ça, non? Je comprends. Sauf les dîmes là. Tu n'es pas un homme, Richie. Bon, on courait, mais Jeff. Et alors? Et alors, tu me fais des avances? Richie, aide-moi. Je veux savoir. Qui sauve les qu'on est, Jenny? Tout, absolument tout, ce qui concerne cette garce qui essaie de m'enlever l'amour de ma vie. L'amour de ta vie? Ok, Jenny. Puisqu'on voulait qu'on ait, m'bra le beau yon t'y aperçu. Mais surtout pas un mois, Jeff, ok? Vous t'en Ne t'en fais pas, ce sera bouche cousue. M'a passé là, Kaou, disons, vers les 7 heures. Ok, je t'attends. Eh bien, ok, bye bye. Allons, Jenny, ça. C'est qui est-ce? Ah, là, c'est ma mère, mon père, et là, c'est la cousine de ma mère. Tu as une grande famille, Jeff? Mm-hmm. Tes parents, ils n'ont que deux enfants? Ah, exactement, oui. Ils ont des petits trésors. Comment ils sont, tes parents? Mes parents? Ils sont cool, compréhensifs et surtout très affectueux. Je suis contente pour toi, tu sais. Merci. J'aimerais tellement parler de mes parents ici. Mais c'est dommage. J'ai un père qui ne me comprend pas. Et une mère qui subit la même hiérarchie que moi. Je les aime vraiment, tu sais. Je les aime vraiment. Je t'aime, tu sais. C'est vrai, je t'aime beaucoup. Je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Non, Jeff. Qu'est-ce qu'il y a, Fabiola? Dis-moi tout. Tu m'attires beaucoup, mais je veux attendre. Qu'est-ce que tu veux attendre? Je veux attendre pour avoir une vraie relation. Qu'entends-tu par vraie relation, Fabiola? Le sexe? Les caresses? Avant de te rencontrer, je voyais les choses ainsi. Cela veut dire que tu saurais attendre? Bien sûr, Fabiola. L'important pour moi, c'est toi. Ta présence. Ton regard. Il n'y a qu'une chose, je le promets, moi. De me donner souvent des petites visites. Ça va demander pour me mentir la caméra et pour me mentir la caméra. Ouais, je sais, c'est vrai. Mais, des petites visites, simplement. Bon, je vais faire de mon mieux. Je t'aime. Humaniste ou, enfin, justifier bonnement ce que c'est que l'humanisme. Mademoiselle Gaud, avec nous? Oui, madame. Et pourquoi en parler? Vous parlez de quoi, madame? C'est que je ne me sens pas très bien. Allez, dans ce cas, nous suivons. C'est maman.
Ou pas constatant, hein? À quel sujet? Tu n'as rien remarqué d'anormal cet an dernier? Pas vraiment. Alors, si je bien comprends, c'est moi seulement que je vois. Bon, je me donne mes mots. Ça, mesdames, ça a devenu. Je ne pas comprendre, non. Vous devez comprendre, Lucie. Ces deux petites figures. Et vous comprenez très bien comment elles sont. Fabiola, tu vas voir. Oui, papi. Qui aurait le travail ou l'école là? Bagan aurait fixe, non? Alors, si je bien vous travaillez chaque jour, mettez sur ça. Alors, au rêve, nous pas manquer de l'école. Papi, c'est examen, vous pouvez arriver. Ah, examen, n'oubliez. Merci. Examen. Je ne sais pas si je peux continuer à supporter toujours. Non? Comme c'est au moment, fais devoir. Moi, fais devoir, M. Gérard. Nous-mêmes. Pourtant, je fais devoir. C'est pourtant, je suis excité, même si j'avais. C'est le genre de bagage sale que fait si je fais mauvaise expérience, là, oui. Ça aussi blague ou bien. Toutes ces bottes, si mon a fait pour gagner une match à suivre. Mais Gérard, si mon a l'âge pour le remet, Fabiola a 18 ans. Oh oh. Se maquille maintenant. J'en ai compte pas même mon cap maquillé. Il y a du nouveau, hein. Okay. Ah, Fabi, comment tu vas faire ça? Je ne sais pas. 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 Beau, musclé, Dis-moi donc. Pas les pères, mais pas sur la zone. Fabi. Et puis, quitte-moi tranquille, ok? Je nomme magasin, sister. Eh bien, mets-toi dehors, non? Allez, bon, allez. Oui, Juliette. Allez. Oh, man. Fabi, tu non. Sors? Oh, pourquoi tous ces changements? Tes cheveux, maquillage, tout ça? Juste, je vais faire une belle mouette dans la chambre. Ou sûr? Pourquoi t'as même fait parler à deux? De quoi, maman? De tout et de rien. Parce que c'est maman, ou capable de dire maman toute bagaille. Je sais. Quand je voulais plus. Rete sous étude moi parce que quand même t'es perdu en année déjà non bah ça alors je voulais juste rattraper le temps au sûr Qu'as-tu, princesse? Je ne sais pas. J'ai comme un pressentiment. Comme quoi? Je ne sais rien. Tu penses aux réactions de ton père? Si toutefois, il serait au courant pour nous deux? Comment il le saurait? Fabi, le monde est petit. Il cesse de te tracasser, ok? Nous sommes ensemble, c'est ça le plus important. Pour combien de temps? Pourquoi tu dis ça? Tu veux me quitter? Tu ne connais pas mon père, hélas. Promets-moi, quoi qu'il arrive, qu'on s'aimera toujours. Que tu seras toujours là pour moi. Même quand il y aura une séparation. Pourquoi est-ce qu'on se séparerait? Pourquoi? Tu as peur de ton père à ce point? C'est pas moi, Dieu. Je t'aime, tu sais.
Fabiola, reviens. Quelle heure est-il maintenant? Je travaille avec les autres. Comment ça? On travaille les maths. Vous n'avez jamais fait team de manière comme ça? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous ne connaissez pas, c'est ça que nous attendons. Seulement, respect. Oh, Gérard, sois sorti. Julie, Fabi. Julie. Oh mon Dieu, Gérard, sois guéri. Sois sorti. Oh mon Dieu, Gérard, pas fait ça. Oh. Allô, bonsoir. Pap, c'est Fabi. Oh, Fabi, comment est-ce? Mais qui m'a coulé mes soeurs? Il n'y a rien, j'espère. Non, tout va bien. Comment va ton Gérard? Il va pas l'empire de semaine, ça? Ah, maladie après hier. Oh, oh. Sûrement, il n'a pas l'empire. Où qu'on est? Tout le monde est en peur. Surtout, c'est avec moi, il n'a pas parlé. Bon, jusqu'à ce que les barres fini. Bon Dieu, qu'on est. Petite cousine ou entrave. M'pas qu'on dit ça pour m'fait. Ah ouais? Ou qu'on sait ou qu'on sait? Ça gagne même. À propos de Jeff, t'es là bon problème. Il me rend folle. Qui est-ce Jeff? T'es nèg n'a pas l'olon. Oh, tu l'as revu? Eh bien, pas. Dis-moi non, ça pour m'fait. Ou son jeune fille? Faut que ça t'arrive un jour l'autre. Aussi simple que ça? Mais non, Fabi, m'pas dit ça. D'ailleurs, ou qu'on l'on Gérard? Maintenant, tu dois apprendre à gérer la situation. Même. Attends, Fabiola, attends. Mon nom fait mes téléphones, non, mon a parlé. Allô? Fabi n'a pas de mai, ok? Get en comprendre, ok, bye bye. Comment? Pourquoi je me quitte vous-même? Je ne comprends pas, expliquez-vous. Vous trouvez normal pour obtenir tout ça, mon a dit dans le téléphone, hein? Mais ma chère. Tu deviens insupportable. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et pour vous? Ça va bien. Ne te terrasse pas. Bye. Bonsoir, tonton Gérard. Tu vas bien, tonton? Comment va Patrick? Mais si elle a, oui. Mais avant, il y a un ex qui a sorti pour battre mon lancaille là. Je ne peux pas comprendre. Pour un monde plus grand, pour une petite famille, ou un bal mauvais conseil. Les choses sont tellement dures de nos jours. Une jeune fille doit se surveiller. Parce que jeune garçon aussi menti à marcher par dehors. D'ailleurs, ils n'ont rien à perdre. Dans tout ça, où je n'ai pas parents qui payent l'école pour une jeune fille, c'est pour. Et puis. Betty, tu es porteuse de quelle mauvaise nouvelle? Écoute, Fabiola, on a un examen, Anissa. Bon, mais, où est-ce que ça déjà, Betty, non? Comme les parents d'accord avec. Dis l'étudier, encourager le travail. Mais, chaque jour, là, le travail avec l'autre élève de l'école, là? Vraiment? Je vois. Donc, Gérard, je dois m'en aller. Je ne peux pas rester trop longtemps. Mais je vois qu'il y a encore du pain sur la planche. Bye bye, Oncle Gérard. Allons travailler ça, papa. Woody? Oui, Monsieur Gott. Monsieur Gott, j'ai un boulot à te confier. Ok? Moi? Mesdames, nous ne pouvons pas commencer avec Fabiola, Fabiola Grotte, aussi claire.
Merci beaucoup, bon passé. Tu es Fabiola Grant? Oui. Ou pas t'en parler de moi? Moi, c'est Jet. Ah bon? Et je suis la fiancée de Jeff. Oh! Uh-huh. Excusez-moi. Bon, je dis parole. Qui en fait nous aimer prendre ménage moun comme ça ou pas chercher pas hein ah gardez ou pas parler avant m'a parler. Écoute, Jeff ne veut pas de toi, il s'amuse avec toi, il prend son plaisir, ou comprends moi? Écoute, je te jure, sous pas fou qui de Jeff tranquille, tu n'es crasé moi maman et deux femmes c'est l'école mon pas connait moi non moi non même pas connait je ne pas ça l'école même ou pas chercher petit vous Jeff qui est ton qui t'aime Jeff. Pourquoi vous mettez ça là? Lucie, n'oublie pas que nous devons sortir cet après-midi. Je crois que... Non. Prenons son monde qui est long. Je l'ai vu déjà. Dis-lui de se préparer. Toi aussi d'ailleurs. Eh bien, à tout à l'heure. Mon petit document pour lui là. Mon cher, faut-il sortir après-midi? Ou à sortir à mesdames? Avec Lucie, avec Julie. Oh, ou pas sortir à Pigan? Mon cher, de vos jeunes filles qui ont même la petite fille chérie avec elle. Julie, comme suspect qui t'a voulu ouvrir celle-là, m'a pris même avec elle. Jeune fille, comment c'est pas problème de vous avouer? Ça qui est dur, c'est que on a fait tout ce qu'on capable pour protéger les gens, pour les jeunes garçons pas courir avec elle, c'est pas ça le vrai. Pendant qu'elle est là avec lui, il a tout à fait. Ou même moi, occupé, bah il mange tout le bagaille. Monsieur Grant, je ne sais pas si vous avez des gens qui ont oh, ça pour dire. Je suis avec vous. L'aime là, je suis côté de seulement, je dis toujours, je n'ai pas une chaîne qui a pu être accouchée avec moi. Ou elle ne l'a pas eu, elle m'a arrivé. Bon, bye, oh, oh. Ah, monsieur Grant, vous avez une bille du papa. Ou après, dit du pour occuper un petit monde, pour chercher l'autre petit bon occupé. Bon, faut pas dire que c'est qui fouille à votre nom. Faut bien qu'il y ait 19 ans. Mon cher jeune fille a fait 18 ans. Oh oh, oh oh, 18 ans. Femme papa, ma goa a mûr. Quoi? Non, non, je doute que mon nom bien grandi. Mon cher jeune fille, ça m'a connu ça m'a avec le nom. Bah quoi, faut faire coller encore. Après ça, t'es fini de passer. J'ai l'impression qu'elle a peur de vous. Comment faire comme ça? Non, et où qu'on est, j'en ai parlé là, et puis, semaine dernière, l'homme dans la caillou, moi, tout bagaille plutôt calme. Tout bagaille en forme, donc, pas qu'il y ait problème. S'il te fait respect, il est bon pour lui. Parce que franchement, pas qu'à supporter encore. D'ailleurs, pas faire confiance du tout. Ah bon? On comprend. En tout cas, bon, on va quitter la bonne aujourd'hui, on va sortir pita. Bon, dans le pareil de 4h30. 4h, et bien voilà, dire à 7h, qu'est-ce quitté la carrière déjà? Bon, disons 6h. 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 Mm-hmm. Bon, comme on peut sortir. Bon, on va aller vraiment, hein. Si tu es un petit peu à régler, allez. Eh bien, il y a un problème. Ok. Alors, amusez-vous bien. Mademoiselle Fabiola. Mademoiselle Fabiola. Yes. One more time. Mademoiselle Fabiola. Allez, oui. Eh bien, ok, à demain à ta grâce. Merci, oui. Ok. Toute belle chef qui n'en ville là. Yes. Dans son bipo bronzé. Sous citra, c'est jaune rosé. Couillon la pli cap calé en fétol. Couillon soleil cap pini en glacé. Qui est là? C'est un coulé ma punition l'école. Maman, à ta grâce. D'une soupère sa belle pour les punta. Toutes conditions réunies pour disait crazy. C'est yo qui a des mots de la bise. Ah! Ça fait là! Oh oh, quand faudrait la mando? Hein?
maman. Sans besoin là. Papa, chic, papa. Papa. Maman. Pas un monde dans la tout le monde dehors. Comment faut-il la demander? Qui doit? Il doit entrer. Bon, ils arrivent pour moi. Toujours là. Julie. Vous avez des petits bagages, pas vrai? Oh. Et mais je tiens pas mon tour ça. Où est-ce qu'on a? Ah. On peut dire. Vous faites bien, non? Vous faites bien. Mon trou pièce, ça me pèse, je vous dis. Ah. Ah. Chirado. Ah. Oh, rébelle, t'es. En tout cas, pour retourner à la caille, on va cacher. Qu'est-ce qu'il fait là? On m'a dit pas pour ça, pourquoi? D'ailleurs, m'a dit c'est où tu es de vous. D'ailleurs, pour tout, pas de monde qui a fait confiance. Vous voulez me connaître? Sauvez-le! Mais ça, c'est quoi? C'est moi qui crie? C'est Rodrigue. Qui est Rodrigue? C'est faux. Il a essayé de me violer. Qui ça? Violer? Merde! Ok, ma fini. Ok, ma fini. Non, non. Oh, ma fini parce que papa m'a suspect. Comment? Vous ne dites pas pour ça? Non. Rodrigue, tu sais, dit ça à la petite. C'est moi qui te parle de vous. Papa m'a fait confiance. Ok, chérie. Calme-toi. Ok? Dis-toi bien que ton cousin t'aime beaucoup. Ok? Moi et mon tout. Bonne ça, chérie. Monsieur Grand, j'ai essayé de les enlever. Essaye encore. Ils sont quand même sur la planète. Mais monsieur Grand. Écoute, jeune fille. Tu ne sais pas combien de chômeurs il y a dans ce pays? Non, je ne sais pas. 4 millions? 5? 6 millions? D'accord. Pardon. Un bel costume, maman. T'as appelé mes costumes français, italien. Monsieur Grand, il aime passer là, Kayo. Il aime passer où? Hier. Hier. Et au bas de là, mais Fabiola, t'es là. Je ne sais pas, mais j'ai été recevoir la Kayo. T'es bizarre. C'est mon monde qui t'a pris tant de monde. Que moi-même présence m'était dérangée. Et en tout cas, pas très bien. J'ai le désir de voir, surtout. Bon, c'est pas fini, toi, fais pas, non? Et on est. Ça, moi, il faut me parler quand même. Ça, je me connais. Comme si me dit papi m'ni pour mon entrer la caillou pour le fond bagay comme ça et pour dire pas dit papa ça non faut que dit ça Fabiola c'est pas pour la comprendre nous pas qu'a dit ça non faut que dit ça les quand entrer la caillou et pas pour faire confiance hein ma chère monsieur Vera bon pile. Mais pour qui ça c'est où ça privé? Hein? Faut qu'on dit pas pour ça Fabiola, pas gagne chouette là-dedans. Sou pas dit pas pour ça, pas pour pas dire rien. Et le ça l'a toujours dans cala pour le faire ça. Te voilà ma petite. Côté là. Ah, ah bon, ça va être ta fête aujourd'hui. Tiens, tiens, qu'on y a la prétendue là.
Bon, la balie. Bah, ça va m'expliquer. Dans toute l'école, il faut de tant de garçons. Faut me dire papa, faut me lâcher quand même. Kim, bon on a même Jean. Et ça papa. Je dis maintenant moi pour soi dire. Oui Jordan. Oui Jordan. Tête chargée. Ça passe au lamen. Ah non men. Puis go dit me qu'on gagne problème avec Fabio là men. Ça fait Fabio là intéressé comme ça. Et papa non moi ça veut dire qu'on y a là pas commande pour madame ou. À parler de ça, ou pas j'ai moi Jenny. Jenny. Maman elle non. Ou envie elle voler. Ou son gel. Moi même. Sans je dis ni. Ou fou. Ou fou. Et ça m'a y avec nous et nous même. Quand y a là, quand je joue notre fille là, ou te gâte pas de besoin de Jenny encore. Mon cher. Jenny on l'autre. Oui. Ou qu'on aime que problème femme men. La seule chose, c'est que Jenny et Fabiola est deux mondes différents. On n'a pas besoin de vivre. Fouer qu'on bat Jenny. Ça veut dire si bien comprendre là. C'est confiance que tu as fait si fils ça comme ça. Ouais, moi-même, partner. Préférez pour un film qu'on est dans la vie déjà, humain. On lui a mal lagué comment, bon, soi-disant, dit un petit monde, et puis après, on est capable de mettre problème. Et pour Maline, ça ne faut pas pour Jenny. Moi-même, dernièrement, je me lui, l'aime dans l'autre bord. Qui bon? La Kailia. Je crois que ça dit, je ne pas j'aime Jenny. Non! Jenny, elle a l'école, Fabiola. Allant mes deux filles. M'a demandé qui j'ai Jenny faire qu'on est pour l'aller jusqu'en bas jusqu'à ce que l'aller mettre de Fabiola. Et pas monsieur Abgadim. Ou voulez dire c'est moi qui fait tout bail ça yo? Non mon cher. Non. En tout cas papa. Bah mais next suspect mais qu'on s'attendait men. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est positif. Positif? Ça positif là? Bon, c'est à propos de votre fille. Le jeune homme. Mais. Quel jeune homme? Quel jeune homme? Le jeune homme. Ah, je vois. Ok, je vois. Ok, merci. Oh, tu as un problème, chérie? Salope! Oh, papa, papa! Fabi?
je t'aime, d'accord? Je t'aime beaucoup. Chérie. N'oublie jamais que je t'aime, maman. Laisse-moi te dire. Chose, ma chérie, avant de partir. Oh, tu pars déjà? Oui, maman. Tu ne prends rien? Non, non, ça va, merci. Fabi? Hmm? Tu as quoi à 7 heures? Mm-hmm. Tout va s'arranger, ma chérie. Ok? Tu verras. Tout s'est déjà arrangé, mamie. J'ai... Oh mon Fabi, elle a fait un bain dans sa cour pour un problème dans le frigidaire. J'ai pas fait, mamie. Bye. Sois prudente, ma chérie. Au revoir. Bonne journée, chérie. Toi aussi, mamie. Ti pémé. Ti chéri, ça gagne. Ouch, ou quel est le problème? Vin non chéri, vin faut chita côté m'nan. Oh! Mon petit Jean Somson chéri, ou pourquoi prendre depuis matin? Dis-moi non, qui ça prend? Ou prend ma fèl pou. OK, d'accord. Dis-moi non, gon lòk problème chéri, m'pa renmen. Jean moi ou un petit gens somme n'me paraît mes visages, c'est pas constant de connoi. Et ça gagne chez ou gros problème. Ou met pas la avec sous gros problème, ou met dit m'a pédo. M'a pas gagne problème ça chérie. Dis non, est-ce qu'on problème ou gros problème? Pas la avec chérie. Ça gagne mon amour. Oh, a pas crier chérie, pas la avec chouchou, pas besoin crier. Ou met dit ça gagne. Bon, moi, les Fabiola. Allô? Allô, bonsoir. On peut parler à Fabiola, s'il te plaît. Qui demande pour elle? Cassandre. Cassandre? L'ami de Fabiola? Oui, oui. Justement, nous t'es besoin. C'est parce qu'on n'a pas le numéro qui fait un barrelo. C'est Julie? Oui. Fabiola me parle souvent de toi. Ça gagne, pourquoi ça t'a parlé les mains? C'est que Fabiola à l'école matin, voilà que jusqu'à présent elle peut pas rentrer. Mais non, Fabiola pas à l'école matin. Qui ça? M'pas tout elle, au contraire, c'est peut-être ça m'relé pour m'conn qui ça gagne. OK, d'accord Cassandre. Et je dois raccrocher. M'va parler ça avec mon maman, OK? OK, comme on dit mon gagne numéro, ou gagne call ID? OK. L'heure venir, relé. OK, pour m'ka connait qui ça te gagne. D'accord, bye bye. Je ne viens pas convenir. Ça qui passe. Ah, elle va à l'école. Kounia, quand elle passe, je ne l'ai. Regarde qui l'a lié. Mon Dieu, quand petite moi. C'est m'te qu'on aime pas quitter à l'école, non? Mami l'a fini, oui. Pourquoi Fabi a pris dehors que ça? Leur ça, elle est beaucoup rentrée toujours. Moi, elle est tout de côté, elle n'est pas là. Non, pays qui toujours tête en bas. Ça peut être nous là. Il y a 15 ans de faire le mal. Qu'on a bâti pour nous. Et puis, il faut gagner, oui. Garde, Gérard, pas dire que c'est petite fille que je gagne. Ou t'es plus bon, c'est ça? D'ailleurs, c'est mon père responsable, ça, yo.
Qui cause malheur il fait petit nous hein? Si son petit garçon te gagne on tape dit même bagaille. De toute façon, si on cause ou malheur il fait petit moi, ça va pas bon pour moi avant non? Seigneur, j'ai besoin de présence ou moment ça. Seigneur, j'ai besoin de présence ou moment ça. Seigneur, j'ai besoin de présence ou. Mamie, gade. Jeune numéro, jeune homme. Là. Qui jeune homme? De qui soit parlé là, Julie? Le petit ami de Fabiola. Hein? Fabiola, t'es qu'à t'en sous moi là? Eh bien, petite fille, pas petite pour mon fait. Ah, mamie. Mamie, c'est réel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je peux parler à Jeff, s'il vous plaît? C'est moi. Jeff, c'est la petite soeur de Fabiola. Passez mon téléphone, non. En tout cas, monsieur, je ne sais pas qui est-ce que je parle. Quoi, t'es petite, moi? Fabiola, ça a gagné. C'est où vous me posez ces questions, ça? Maman, tu parles trop fort. Mais madame, je ne sais rien. D'ailleurs, je souffre comme vous. Je souffre tant comme? Comment est-ce que tu souffres passé là? Mais de qui doit pour souffrir tant comme? En tout cas, monsieur, je dis ça sincèrement. Petite moi, c'est où pour faire me jeûner? Parce qu'on complice dans la disparition. Si je jeûne, je fais et tout. Jeff, Sorgen. Fabiola disparaît. Qui ça? J'entendais. Oh, Jeff. Tiens. Tiens. Bonjour, Gérard. Ça va? Bonsoir, Gérard. Betty? Oh, Gérard, c'est passé. J'ai vu le midi me faire la rentrée soir, non? Ça gagne. Et vous-même, vous êtes chercher là? Après tout ça, fin passé, ok, courage, mettre pio là. C'est fort, tout si tout le bagage ça arrivé jusque là. Mets-toi dehors. Va-t'en, je te dis. Va-t'en! Dehors! Gérard? Gérard? Oh mon Dieu, qui a cru lui? Qui a cru lui? Oh mon Dieu! Gérard? Gérard, il y a l'ambulance pour me partir, il y a l'ambulance! Bien, ça va. Laisse-toi se reposer maintenant. Dis-moi, docteur, comment va-t-il? Calmez-vous, je crois que ça va aller. Docteur, est-ce qu'il va s'en sortir? Ne t'en fais pas, Julie, il va s'en sortir. Son état n'est pas trop grave. Il est en état de choc, mais c'est passager. Je vais vous faire une prescription. Vous allez l'exécuter. C'est urgent. OK? Ah, oh, merci, docteur. Je vous en prie. Vous pouvez aller le voir, mais quittez le fond y reposer. En allez, Julie. Patrick? Allô? Allô, bonsoir. Madame Grant est là? Non, madame n'est pas là, non. Il est à l'hôpital. L'hôpital? Ça a gagné. Monsieur est malade. Marie là. Ça passe il? Bon, on connaît les gens qui ont petite fille sont un problème. Qui a fait le palais, fait mauvais sang. Tout ça pas bon. Merci, merci. C'est pas ça qui intéresse. Dans quel hôpital lié? Eh, Mabdou, oui. Dans l'hôpital Jacotin. Hein? Ok. Thank you.
Salut. C'est la petite soeur de Fabiola, hein? Bien sûr, mais vous êtes Jeff? Oui, c'est moi. Disons, vous êtes venu voir papa? Oui, il est là. Bien sûr. Venez donc. D'accord. Maman, je te présente Jeff. Il est venu voir papa. Bonsoir, madame. Je suis Jeff. Monsieur, sans besoin là. Madame, bah qu'on a un. Qui ça? Mais où est ma fille? Mais madame, m'a souffri de absence li. Ou m'a souffri de qui ça, monsieur? Ou m'a souffri de qui ça? Tante Lucie, calme-toi, ok? Calme-toi, Tante Lucie, calme-toi. Bon, m'a commencé à bouquer avec bagaille ça. Fais le sorti pour moi, fais le sorti. Ok, Tante Lucie. Jeff, allons. Mais qui tout bagaille ça en mien là? Allons. Oh. Si je ne suis pas venu. Je vais excuser ma tante Lucie. Où qu'on est? Il parle Fabiola et puis tonton Gérard vient tomber malade. Tête il parle là. Vous comprenez? C'est pas comprendre, pas comprendre. Mais imaginez, il n'est pas même pensé si ma souffre même Jean-Avel, non? Ouais. Ou imaginez, dernière fois que je parle à Fabiola, c'est 2h du mat. Il est dans 3h, pensez-vous. Qu'on est là? On met maintenant ensemble pour une faire la tête de papa. Ok? Quand tu es vagabond? Vagabond, tante Lucie. Jeff pas un vagabond. C'est un petit bien. Il n'aime pas qu'il ait vu du mal à faire la. Comment le sais-tu? Fait que tu te parles avec elle là. Il dit m'y remèl. Je le pense aussi. Et quand sais-tu toi? Et pas Timounouye? Oui, maman. Oui. Ou pensez que Gérard a pas accepté avec plus cheveux que dans tête là? Depuis le matin, ça qu'on y a venu? Ça qui passe? Rien même. Moi, ça me fait encore. Je passe une station radio, je passe. Mais là. Mais Jeff, ça pour me conseiller pour faire. Prier pour continuer à prier. Et puis, renforcer rechercheur. Et puis, on va pas boutir en bagaille. C'est pas pour décourager, non? Je vais regarder. Monter. Comme t'as fait là. Mais oui, Jenny. Et si j'appelle Jenny? Je n'ai pas l'antipression, pas je me connais. Parce qu'une femme jalouse est capable de tout. Oh, Jeff. Bon, regarde, ça pour le faire. Allô, Jeff? Allô, Jenny? C'est pas Jeff, c'est Jessie. Ah, Jessie. Ça rien, hein? Jeff, gon problème? Ah bon? C'est ça, t'as aimé? Alors, c'est quoi? Au fait, oui, Jeff, gon problème. Parce que Fabiola disparaît, ça rien n'importe 2 jours de cela. Et nous, pas contre côté lié. Pour moi-même, ça son problème. La petite protégée, Fabiola. Elle n'est pas morte, j'espère. Jenny. Jessie. Écoute-moi bien. Si tu as quoi que ce soit à avoir avec la disparition de Fabiola, je te jure que je te rendrai. Quoi? Je ne te comprends pas. Tu oses m'appeler pour m'accuser d'une chose pareille? Tu penses que je pourrais être impliquée dans une affaire? C'est ça?
Oui, c'est ça. Fabiola pas entré la Cali depuis 2 jours. Et me garantit qu'on a fait tout ça que possible nous pour nous joindre. Et en plus, je sais que tu es très jalouse et par-dessus tout. Très, très agressive. Après ça, ce que tu fais dans l'école, mon yo là, moi-même, moi garanti ou et me dit tout que me peur. Jalouse? Oui, je le suis. Tout simplement parce que j'étais amoureuse de ton frère. Mais je ne suis pas folle, tu comprends? Je ne suis pas folle. Et tout cela, c'est pour te dire que je n'ai vraiment rien à voir. Tu me comprends bien? Et au compte qui s'est vu ça en moi, pas jamais le téléphone, ça t'a dit. Sinon, tu vas avoir affaire à moi. Jessie, je te jure. Mais je me trompe ou c'est toi qui me fais des menaces, Jenny? Un jonvelé là. Elle me tape sur le système, cette pétasse. Fabiola quand même. Pas... Bonjour madame. Madame, je suis... Non, on pas besoin de dire rien. Patrick m'a tout expliqué. Problème nous commence moins. Gérard commence à rétablir. Quant à Fabiola, on pas eu aucune nouvelle? Non, jusqu'à présent. M'imaginez tout côté le t'a allé. Bah je n'ai rien. Mais nous même nous pas rien et tout? Non. Ça n'a fait qu'une. De toutes les façons, on doit la retrouver. C'est un impératif. Monsieur Grand, vous allez bien? Ça va, Julie? Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Cassandre, bonsoir. L'amie de Fabiola. Bonsoir. Tenez, c'est pour vous. On n'a pas toujours des nouvelles de Fabiola? Pas du tout. Oh. Mais c'est Fabi. Fabiola. Oh, Fabi. Mon Dieu. Fabi. Oh merci Jésus. Oh. Mon Dieu. Oh papa. Je suis désolée. Tout ça c'est faute moi. C'est là qu'elle a mêlé et puis elle a dit mon hôpital. Je regrette un peu le papa. Mais c'est la carrière. La carrière même? Oui, et pendant tout le temps, nous pas trop là. Et moi, je vis ensemble avec lui, t'as qu'une tête, c'est une petite tête. Elle me fait tout petit affaire, nous pas jamais de problème. Maintenant, mon chéri. Chéri, tu sais que nous devons remercier Dieu de nous avoir amené notre fille. Où sont les filles? Il y a la pharmacie, elle a acheté des médicaments. Chéri, au compte ça me pensait, mon quoi après dernier incident, ça nous doit plus proche de mon Dieu. Parce que nous pas qu'à faire choix pour eux. D'ailleurs, Fabiola est assez grande, nous pas qu'à décider pour lui. Prenons l'exemple de ce jeune homme. Si Fabiola Remel, nous pas qu'à faire le contraire. D'ailleurs, méthode traditionnelle, c'est pas de mise encore. Je crois que Kounia nous supposait prendre notre direction pour épanouir ma famille.
Ça va pas? Ça va, ça va. Fabiola? Oui, pas. Kounyol est 18 ans, n'est-ce pas? Oui, papi. Je crois que dans la SA, où doit qu'on soit venu? Oui, papi. Vous n'avez pas fait. C'est à propos de ces jeunes. Où sont ses parents? Ils sont à l'étranger. Mais avec qui vit-il alors? Avec sa sœur. Tiens, tiens, sa sœur. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Quelles sont ses activités? Il étudie les sciences comptables. Tu le trouves bien? En quelque sorte, oui. Tu comptes toujours le rencontrer? Le revoir, n'est-ce pas? Comment est papi? Ou t'es parlé bien avec dans l'hôpital là? Bah qu'on est sauvé là, c'est lui m'a fait. Parce que m'a aimé causer gens d'histoire ça ou la famille. Non? Je voudrais le voir. Invite-le à dîner ce dimanche. Ici hein? Qui compte t'a aimé encore? Ok pa. Comment tu me téléphones de mamie? Papi me dit qu'on s'est invité Jeff manger là. Ah, mais bonne nouvelle! Ok! Ah, Fabi, ça. Comment vas-tu, mon chéri? Ça va, ça va. Ça va? Oh, monsieur God. Bio la belle, oui, là, papa. Vous m'avez fait appeler? On chèque à monsieur God. Où est-ce que vous avez là, M. Grant? Où est-ce que vous avez fait ça, M. Grant? Bien toujours, où est-ce que vous avez fait ça? Ok. Oh, M. Grant, ça sera votre évocation, bon, là, oui? Ça m'a fait là, M. Grant. Deux petits filles, ça m'a fait manger, M. Grant. Et petit filles, pas m'a fait aller pour manger, hein? Où vous voulez me travailler pour vous, monsieur Grant? On peut parler à mon petit monde, monsieur. Bagay, vous pas fait quoi ça? Monsieur Grant, grand monde. On peut parler à mon petit monde, monsieur Grant. Vous avez raison. Vous avez trop confiance. Dehors! Foutez le là! Eh bien, ok. Vous avez besoin. Julie, le définitivement, en te parlant, on finit par comprendre que tu es vraiment quelqu'un. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur et madame Watt. Mais je profite de l'occasion pour vous dire que vous avez une fille vraiment bien. Et je vais faire tout mon mieux. Pour qu'elle soit heureuse. Merci beaucoup. C'est une demande de voyage, ça. Eh bien, levons nos verres au bonheur de Samuel et de Jeff. Merci. Bon, je suis un peu fatigué, alors je vais me coucher. Excuse-moi. D'accord. D'accord, attends, on va dormir, maman. Ah ben, je m'en tire. Okay. Au revoir, Jeff, et à bientôt. Bye. C'était vraiment... Allez, viens. Tes parents sont vraiment bien.
Yabadaï. Hey, hey. Bibida papa. Sois le capitaine de votre bateau. 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 Hey. Rootmon. Brabba. Bré. 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 Que tu sois pucelle ou putain. Que tu sois immoraliste ou puritain. Yenna. Faut qu'un bébé tout. Faut casser bébé tout. Faut qu'un bébé tout. Faut qu'un bébé tout. Faut casser bébé tout. Faut qu'un bébé tout. Ne bouge pas d'un poil sang comme ça. Hey, hey. Des virus qui tu laisses amis et blesse les ennemis. Hey. Le mec te dira relax mon pote, je suis tien. Foutesse. Mais ma foi soutient au moins que de tu l'auras. Jéhovah t'a donné la vie à toi de faire les suivis. Jean de château ou sans demeure, Cocorado homme d'affaires. Que t'as à faire, s'il faut refaire au gars de trois avant d'essayer de les plaire. Tu vas, ça nova, piano, sois le capitaine de votre bateau. Tu vas, ça nova, piano, sois le capitaine de votre bateau. Que le but me cague, il y a ici qu'à plier, mais il part jambes cassées. Et si parfois me balancer, c'est sous tempo la vie à ma pédancée. Je dis à moi comprendre philosophie. Rien ne sert de courir, c'est possible la vie. Les lois jouent plus fait noir. Patience, courage, ses amis au soldat. C'est longtemps, longtemps, dès qu'on prend un bois balé pour mettre tout un choix. Courir dans toute sa vente, point papillon pour me mettre dans le bocal. Je dis à moi grand tête, la vie son pense qu'elle suit de 3, 4, 5, 6, 7. Il va beaucoup à beaucoup lentement. Arrive sur le vent. Sanova, piano, sois le capitaine de votre bateau. Tu vas, Sanova, piano, sois le capitaine de votre bateau. Si wem, clocher, si wem, maintenant, sous les pieds par terre. Sous wem, bien, sous accélérateur. C'est pas excès de vitesse que me prête faire. Reconnais Haïti, pas des highway. Sabi Haïti, pas j'en pressé. Pas que c'est pas blessé, pas pris depuis le coup. Moi quand toutes ces routes découpées, tout ça fait espérer d'après le dauphin. La vie bonne nous voit micro, et ça m'en sait en chanter. Tu vas sano, va piano, faut aller lentement, pour arriver sûrement. Tu vas sano, va piano, soyez le capitaine de votre bateau. Tu vas sano, va piano, soyez le capitaine de votre bateau. Nena qui sa wap évolué. Pour gagner cette mission dégage au rivé. Boy si plein et cabusé à terre pour ta queue. Ou obligé mes vieux. Crasse crasse et bête ou qu'est bête tout. Même j'en ai John Mogène. Ou en tête tout. Bachita à ton yon chauffeur pour mener ou. Passez clé ou devant la vie ou n'en blâme ou. Dis premier chute au cabagol. C'est qu'on s'attire à son la vie à toile. Même aller à verre si ou découragé. Commencez quitter, c'est yon beau danger. Faut lever, faut marcher, faut courir, faut. C'est qu'on s'attire, garçon, la vie à toile. Même aller à Bercy ou décourager. Commencez quitter, c'est un beau danger. Faut lever, faut marcher, faut courir, faut...